Salut à tous, c'est Mister Freeze. Donc, on se retrouve pour la suite de Phoenix Wright. On a fini l'épisode 3, avec le joli dessin derrière. Et on va commencer l'épisode 4. Je vous laisse regarder tout de suite. Voilà. Donc vous avez sans doute reconnu Benjamin Hunter, le procureur. Voilà, moi la première fois que j'ai vu ça, je fais oh putain, c'est quoi ce délire? Parce que jusqu'à maintenant, on croit que c'est un perso, comment dire, exclusivement dans le tribunal, quoi. Et non, l'affaire va tourner autour de lui cette fois. N'importe quoi. De pression, je baisse ton salaire de moitié. Non, je déconne. Oula, oulala, ça fait un peu double sens tout ça. J'adore la musique qui est pas du tout en adéquation avec le ce qui est écrit. Un homme est mort, un suspect a été arrêté. Bon, je sais Je vous rappelle, c'est un ami d'enfance, enfin, un camarade de classe plutôt. Bizarre, parce que avec le double sens, ils auraient pu accepter. Allez, c'est parti! Non, je sais pas pourquoi je vais là. Fallait aller au centre de détention, en fait. C'est pas grave.
On le voit pas encore trop, mais il y a une relation limite amicale, on pourrait dire, entre Detective et Benjamin Hunter. Putain, mec. On va retourner au centre de détention, parce qu'on n'a pas fait dans le bon ordre. C'est vrai. Sauf qu'on était de l'autre côté aussi. Je vous préviens, cette affaire, elle est trop bien. Si vous avez aimé la deuxième, la troisième affaire, celle-là est juste 10 fois mieux en fait. Connard, comment il sait qu'on n'a pas de travail? On a gagné les trois. J'aime les gens qui réagissent comme ça quand on les aide là. Aïe! Quel con! Bon, désolé, j'espère que vos oreilles vont bien. En fait, j'étais un peu avachi sur mon fauteuil, je me suis relevé d'un coup et mon casque est tombé sur mes genoux. Voilà, c'est bon. Désolé. Continuons le jeu. Déjà on voit qu'il cache un truc. Hein. Ah, le monstre. Prends-nous pour des cons. Voilà. Prends ça. On n'est pas obligé de cliquer dessus avant. Bah justement.
Je sais pas comment on doit le prendre, mais... ça. Bon, pour l'instant on n'est pas trop avancé. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire ? Voilà, bon. Après, bon, à ce point du jeu, on sait qu'il faut pas faire de conclusion hâtive. Donc là, tout ce qu'on voit, c'est qu'il a bien le flingue dans la main, dans le cinématique. Enfin, cinématique, c'est... On va appeler ça une cinématique. C'est juste des images, mais bon. Et donc voilà, pour l'instant, on peut pas... Enfin, le joueur, parce que le joueur, des fois, sait des choses que les persos dans le jeu ne savent pas, hein, comme... Par exemple, dans la deuxième et la... Enfin, dans la deuxième affaire et la première. On voit le tueur. Là, on voit pas directement qu'il l'a tué. On verra bien. Et là, la question qu'on doit se poser, c'est... Vu que Hunter est l'accusé, qui est le procureur dans le tribunal? Ah, c'est vrai que tout le monde le déteste, hein, c'est ça le truc. Je suis sûr qu'il regarde la série. Après, il nous a un peu aidé aussi. J'aurais trop dû faire cette affaire pour Noël. Bon, de toute façon, là, je l'enregistre, on est le 10 février, mais on a vu que vous n'allez pas l'avoir avant fin février, voire début mars. Enfin, peut-être pas.
Voilà, donc on aura une nouvelle option dans les choix de déplacement. J'adore la petite astuce. Alors. On va d'abord voir pour le lac et puis on ira après voir le flic. Non, je vous l'ai dit, hein, le truc de samouraï, on va le voir partout. Le mec a refusé de l'affaire précédente. Alors. Voilà, donc rien. Là, il y a un truc sur le banc. Moi, je prends tout. Hein. Glisser dans la poche. Alors, go. Poubelle. Bon, voilà, y a rien, hein, du coup. Des petits panneaux. Voilà. Le bois. Alors il y a eu un meurtre, mais les gens peuvent rentrer comme ça. Bon. Alors, ouais, le truc c'est qu'il y a personne. On va faire examiner. Regardez ce qu'il bouffe. Ouais, là-dessus. Ça. Mais qu'est-ce qu'elle... Je sais pas ce qu'elle prend, elle, mais... C'est quoi cette question? Ouais, ça. Un micro, quoi. Poulet. Cuit, cuit.
Ça fait le même bruit qu'un flingue. Il y aura peut-être des photos du coup. Alors elle, en fait, c'est une caricature d'un accent qui existe au Japon. Vous allez voir, elle a un accent. Et eux, vu qu'ils ont retransmis ça, transcrit ça, je veux dire, en... si ça se passait en France, ça fait un peu accent du Sud, en fait. Tarigo, what the fuck? On est au Japon, mais c'est pas grave. Hein? Allez, on va lui parler. De l'intéresser. On a que ça, de toute façon. Ah, c'est provinciaux. Non, je déconne. Je dis ça, j'habite pas du tout à Paris, mais c'est pas grave. Et va causer soucis. Oh là 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 là! Alors là, je crois que c'est... De tous les noms qu'on a entendus pour l'instant, c'est le plus ridicule, quoi. Peu cher. Alors, peu cher... Ce qui s'est passé... Putain, mais ça veut rien dire, ce qui s'est passé. Qu'il s'est passé. De toute façon, maintenant avec la réforme de l'orthographe, on peut. Non, alors. Ouais, je pense que là ils ont fait comme si elle était marseillaise. En fait. Elle parle du vieux port, peu cher. Cool. Alors. Oula, révise ton astronomie, Phoenix. Les météorites, c'est pas des étoiles. Non, c'est des saucisses. Thank you.
Ouais, c'est ça. Bon, on se casse. Alors, hop. Et puis on va aller au commissariat du coup. Boutique de location de bateau. On a pas vu ça. On va y aller. Ouais, il n'y a rien ici. Je crois me rappeler. Il y a un personnage après qu'on va voir plus tard ici. Alors. Ouais, c'est vrai. Bah, plutôt qu'il veut pas parler, cache des trucs. Putain, mais elle fait une phrase sur deux. Alors, Hunter. Fait, c'est quand tu baises, mais dans le bureau. Non, je... Ah. Je pensais que vu qu'on n'était pas là au cas, il pouvait rien nous donner. Mais... Bon, ça c'est louche. Est-ce qu'on connaît d'ailleurs le nom de la victime? Non, y a rien pour l'instant. Rien là. Bah écoutez, on va retourner voir Madame Causer Souci. Page public.
Bois. Y'a que le truc bien au centre de l'image et tout ça. Moi j'aime bien. Mais elle est vraiment en mode je suis alt. Ah, j'ai compris. C'est pas la bonne période. Bah oui, c'est la quatrième affaire. Forcément, on est con. Sur un mois, il y a 4 semaines. La quatrième affaire. Donc Maya, voilà quoi. Alors, je crois qu'il n'y a plus rien à faire ici. Qu'est-ce que c'est? Oh putain, Père Noël. Quelle école. Pourquoi il a usé fermé? Ouais, c'est vrai qu'on l'a vu qu'à la première affaire, il y avait Mia. Ouais, c'est vrai. Merde! Quel con! Non, désolé, c'est une coupure, j'ai baissé sans faire exprès la fenêtre de l'émulateur.
Voilà, vous savez tout maintenant. C'est trop bizarre qu'on passe d'une conversation à l'autre. Quoi? Hunter, t'es dans ta classe? Alors sinon le hot dog. Quoi? Ah, compris. Ah donc. Y a un problème. Mais... Putain, c'est Phoenix qui est... Enfin, on... nous on joue Phoenix. Enfin, on joue Phoenix un peu quand même. Phoenix, c'est des trucs qui nous les dit pas quoi. C'est abusé. Not too high. Bizarre tout ça. Tranquille. C'est l'argent de poche de mon fils. Ok. On se casse. Je sais pas si je retourne au... Ouais non. Je me demandais s'il fallait retourner à la truc de location de barque. Je pense que tant qu'ils en parlent pas, on s'en fout. Ah oui, le mec. Donc si Hunter est le tueur, il aura tué un avocat. C'est pas déconnant. En souvenir du bon vieux temps, il y a 3 jours. Alors, vous voyez, on voit déjà beaucoup... Merde, qu'est-ce que je fous? Je me suis trompé de touche. On voit déjà beaucoup de personnages dès le début dans cette affaire. Mais c'est pas fini, hein. Non, on lui a toujours pas rendu le tableau. Truc de mien. D'accord, sympa. Mmh.
Et lui, c'est le truc de merde, non? C'est n'importe quoi, y'a personne qui est au courant de rien. L'autre elle est juste à côté du truc du meurtre, elle est pas au courant. Elle a regardé des photos vite fait, elle a même pas vu. Lui, il s'intéresse pas à l'actualité alors que c'est un avocat. Merci! Ça nous a beaucoup aidé. Qu'est-ce qu'on pourrait lui montrer? Genre une fois. Mais ce qui est bien avec lui, c'est qu'à chaque fois, il est d'une putain d'aide, mais sans lui, en fait, toutes les affaires, on pourrait rien faire, quoi. C'est le personnage clé de toutes les affaires. Ah, peut-être. Il y aura le nom du mec dedans, quand même. Ah, oui, voilà. Ouais, pas de jeu de mots, enfin je crois pas, mais. C'est vraiment. Tu vois, ce perso il sert à rien, on va lui foutre un nom à la con. Genre le nom que tout le monde a, quoi. L'affaire Delsis, voilà, ça va être important pour la suite. Ah bah oui, c'est l'affaire dont il parlait dans la deuxième affaire. Donc vous voyez, c'est déjà un sacré bordel hein, cette affaire. Hein. L'affaire en cours, hein, pas l'affaire DL6. Donc voilà, on nous reparle encore de l'affaire DL6. Hein. Donc lui, c'était l'avocat de l'affaire. Hein. Vous voyez, c'est vraiment un truc de fou. Hein. On est qu'au début là. Voilà. Donc on est bientôt à la fin de la vidéo, normalement. Je vais montrer cette photo. Cela ne nous regarde pas. Alors, on va lui présenter cette photo. Donc elle a bien un rapport, si je dois dire ça.
Ah, en plus, putain, ça lui fait même un motif. Parce que vu que c'est son père qui est mort lors de l'affaire DL6, que l'accusé de l'affaire a été défendu par Jean Durand, donc ça voudrait dire qu'il aurait tué pour venger son père. Enfin, voilà, si j'étais du côté de l'accusation, c'est ce que je dirais en tout cas. Ça me paraît assez logique. C'est un putain d'avocat quand même le mec. Ah oui, il y avait leur truc là. Ouais. Et je vous rappelle qu'un procès ne peut pas durer depuis 3 jours. Donc si on doit parler de cette affaire dans le procès, voilà. Ça se termine dans ce procès. Par contre, on ne donne pas le nom de du suspect de l'affaire DL6. Par contre, ouais, ça c'est louche qu'il soit avocat de l'accusation. Qu'est-ce qu'on peut lui montrer? Ça? Non, je veux juste un chocolat chaud, je te Alors. Ouais, bien sûr. Alors, je sais pas ce que ça fait si on dit non. Hein. Je me suis jamais amusé à mettre des choix à la con dans une sprite, mais je pense qu'on est obligé de dire oui de toute façon. Ah, donc apparemment, on lui doit quelque chose. Il est même pas au courant, d'accord. Putain, mais ça passe trop de trucs bizarres dans cette affaire. Bizarre tout ça. Ils en font beaucoup avec leur truc de tremblement de terre. Bon, on va donner le... Enfin, presque une heure pour la vidéo quand même. Je vous ai dit, hein, j'éviterai de faire des vidéos de plus d'une heure.
Ah. Alors, on va pas perdre de temps, on va directement lui montrer ça. Voilà, bon, ça peut paraître bizarre qu'il faut avoir un tremblement de terre, on s'en fout, mais faut savoir qu'au Japon, c'est assez courant, hein, les tremblements de terre. Sachant que normalement, ça se passe au Japon, mais qu'ils l'ont francisé. Bon, apparemment, il a une petite phobie des tremblements de terre. Une petite phobie, une phobie. Ah, est-ce que c'est quelque chose de plus alors? Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette première vidéo de la quatrième affaire, comme vous voyez, qui est beaucoup plus complexe que la troisième ou la deuxième, enfin que celle d'avant, quoi. Enfin, pour l'instant, ça se voit pas trop, mais il y a déjà pas mal de personnages. Donc, pour résumer, voilà, on a vu qu'Hunter est accusé, qu'il est accusé d'avoir tué l'avocat qui avait défendu l'assassin de son père. Enfin, le présumé assassin de son père. Voilà, donc il est accusé d'avoir tué l'avocat qui a tué le présumé assassin de son père. Et dans l'affaire, il y avait également la mère de Mia. Et puis, il y a le petit mystère aussi de Gourdi, là, le monstre du lac. Il y a le truc des tremblements de terre. Hein, voilà. Il y a déjà pas mal de questions qui se posent dès le début, je trouve. Donc voilà, c'est une affaire qui promet, de toute façon, vous allez voir que cette affaire, elle est complètement... elle est géniale, quoi. C'est rebondissement tout le temps, quoi. Donc, je vous laisse là-dessus, et puis j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de Phoenix Wright. On se retrouve à la prochaine, salut!